Bonjour à tous. Je m'adresse à vous dans un contexte particulier, puisque la cinquième vague de cet immense océan pandémique nous frappe en ce début d'année et nous empêche de nouveau d'échanger nos vœux en présentiel. Il faudra donc attendre encore un peu pour les accolades chaleureuses. C'est difficile pour tout le monde, et bien sûr, ça l'est pour moi aussi. Mais il le fallait, afin de limiter la transmission du virus, pour nous protéger tous, mais aussi pour garantir à minima la continuité des actions de nos services publics, ces services que nous vous devons. On s'adapte donc, comme vous vous êtes toujours adapté depuis le début de l'apparition de la pandémie, malgré la lassitude qu'on partage et qu'on exprime quelquefois, car Aurignac est une petite ville de la Méditerranée qui vocifère, qui se passionne, qui se dispute parfois. Mais Aurignac est aussi une ville qui s'unit immédiatement dans la solidarité comme dans la souffrance. La municipalité a pourtant continué d'avancer pour que l'action et le bien commun prennent le dessus et nous permettent de finir tous les projets entrepris. Et il y en a eu cette année. Car si cette crise a fragilisé les fils de notre lien social, elle n'aura pas freiné nos réalisations, ni nos ambitions. Aurignac n'a donc pas été immobile, mais nous avons travaillé différemment, tout en respectant les injonctions sanitaires successives. C'est vrai que depuis de nombreux mois, chacun d'entre nous a dû concéder une part de son quotidien pour réaliser des prouesses d'adaptation. Pour ça, je ne peux que vous témoigner toute ma gratitude, même si chaque sursaut de reprise de nos liens semble s'effacer l'instant d'après avec l'émergence d'une nouvelle vague. Mais en ce début d'année, je veux envisager l'espoir d'un renouveau. C'est alors que nous pourrons retisser ce lien social plus libre avec tous les acteurs de notre ville. C'est donc avec cet espoir en bandoulière que je vous propose de faire avec moi les premiers pas de cette année 2022. Qu'elle soit une onde nouvelle qui pénètre dans vos foyers, apportant avec elle un flot de bonheur, de passion et de réussite commune. Restons unis, Aurignac, c'est notre force. Soyez prudents face à la Covid-19. Prenez soin de vous et de vos proches. Très très bonne année à toutes et à tous.